Je crois l'avoir déjà dit dans le passé, mais si c'est nécessaire, je le dirai encore une fois. Et encore, et encore, et encore, et encore, si c'est nécessaire. Il n'y a rien de plus important que le respect que l'humain pourrait avoir de la part des autres. Il n'y a rien de plus important que le respect qu'on peut avoir pour toi. Peu importe ta situation de vie. Écoutez, à travers le respect, vous pouvez gagner des opportunités, des ouvertures. À travers le respect, vous pouvez avoir un job, une proposition d'emploi. À travers le respect, vous pouvez être considéré, établi à un point où vous n'aurez peut-être pas pu être établi avec vos qualifications. Ceux qui l'ont déjà expérimenté le comprennent. Le respect, c'est par les humains, le respect qu'ils reçoivent. Laissez-moi vous dire, il y a une personne, il y a très longtemps, qui disait qu'ils me haïssent pourvu qu'ils m'écrivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens cherchent à être aimés, appréciés par les autres, ne comprenant pas que l'amour peut se transformer en haine très vite. On va très vite de l'amour à la haine, mais très difficilement du respect à la haine. Il faut faire très attention. Conseillez à ceux qui me suivent de préférer à ce que vous soyez respecté que d'être aimé. Parce que l'amour est un sentiment très volatile. Hein, l'amour vrai, évidemment, n'est pas inclus, mais l'amour vrai est très rare, vous le savez, vous et moi. Quand on parle d'amour, généralement, dans nos communautés, il s'agit de « Ah, je l'aime bien, ah, je l'apprécie ». C'est de ça qu'on parle. L'amour véritable n'existe presque pas. En tout cas, c'est très restreint, et vous le savez. Donc, au lieu d'être aimé par les gens, d'être apprécié, « Ah, il est sympa, il est génial », tout ça, cherchez à être respecté par les gens. Quelqu'un qui te respecte aura du mal à te manquer de respect. Il aura du mal à déplacer les paroles. Quelqu'un qui te respecte fera très attention à ses mots, à ses phrases, très attention à ce qu'il dit de toi. Mais une personne qui t'aime peut peu à peu commencer à essayer de pousser le bouchon. Malgré l'amour ou la sympathie, peu importe ce que vous voulez appeler ça, il faut toujours chercher d'abord le respect. Et même dans une situation amicale, dans une situation conjugale, il est très difficile pour un homme, par exemple, de ne pas tromper une femme qu'il ne respecte pas. Dans notre vie de chaque jour, il y a beaucoup de circonstances à travers lesquelles on peut gagner le respect. Je vous donne un exemple très simple. Un ami vous invite, par exemple. Un ami vous invite à manger quelque part, vous allez assis, tout ça. Et vous n'avez peut-être pas d'argent. Il vous a invité après tout. Vous avez mangé, vous avez bu, vous êtes réjoui, vous avez souri, vous avez ri, vous vous êtes éclaté, tout le bazar. Et à la fin, cet ami choisit de payer ou propose de payer. Vous le laissez payer. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais si ça se répète encore une fois, le même ami vous invite, ou connaissance vous invite, le collègue vous invite, vous allez manger, boire, vous amuser, et à la fin, il paye encore, croyez-moi. Peu à peu, le respect va commencer à partir. C'est vrai que ça dépend du type d'amitié. Les amitiés sont très différentes les unes des autres. Mais dans la majorité des cas, quand on parle d'amis, on parle souvent d'un collègue, d'un correspondant, d'une personne avec qui on parle, une personne avec qui on traîne. La plupart de ces personnes, quand ils payent pour vous, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, croyez-moi, c'est votre part de respect qui commence à partir avec ces factures. Faites très attention. Il faut toujours chercher à se faire respecter dans la vie. Ce n'est pas grave s'il s'agit d'un ami proche, hein, un pote, un ami de dédain, vous voyez un peu, un vrai pote qui comprenne que tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas grave, ça c'est autre chose, ça c'est un peu comme la famille. Des amis comme ça peuvent devenir plus que la famille d'ailleurs. Mais quand il s'agit d'une personne extérieure, une connaissance, un collègue qui t'invite, tu pars, tu manges, tu bois, tu rentres, croyez-moi, peu à peu, le respect va commencer à partir. Ce n'est pas n'importe qui qu'on demande de l'argent quand on est en difficulté. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on va solliciter de l'aide. Peu importe les difficultés que vous traversez. Vous savez, l'argent, vous pouvez en gagner, en perdre et en regagner encore. Mais le respect, quand il est perdu, il est presque impossible de le retrouver. Et même si vous le retrouvez, ça ne sera pas la même chose. Ça sera un peu comme un verre qui tombe, qui se casse et vous essayez de recoller les morceaux. Ça ne sera plus jamais la même chose, plus le même éclat. Quand vous allez avec quelqu'un, par exemple, vous êtes en difficulté financière et tout le bazar,
et vous devez payer quelque chose. Il vous donne 50 dollars pour payer. Vous payez 50 dollars, on vous rend 10 dollars parce que la chose coûtait 40 dollars. D'accord? Vous voulez acheter quelque chose qui coûte 40 dollars et il vous donne un billet de 50 dollars. Donnez les 50 dollars, on vous remet les 10 dollars. Pourquoi on met l'argent dans la poche? Oui, beaucoup de gens prennent le 50 dollars, donnent, quand on lui rend les 10 dollars, au lieu de rendre les 10 dollars au propriétaire, il met les 10 dollars dans la poche et fait semblant comme s'il avait oublié. Pourquoi on fait ça? Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Vous pensez que cette personne-là ne remarque pas ces histoires, même si elle ne dit aucun mot? Quand on est en difficulté, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est faire preuve d'honnêteté. Quand une personne réalise combien tu es honnête malgré les difficultés que tu traverses, il se sent quelque part redevable et ça donne envie de te présenter de l'aide, hein, des moyens de sortie. Il ne faut pas se... Regardez, au nom de la faim, il ne faut pas perdre sa valeur, perdre son visage, perdre la face pour des très petites choses. Vous sortez avec un ami, vous allez faire des tours en voiture. Vous allez visiter des gens, vous avez des courses à faire, vous faites des courses ensemble. Dans sa voiture, à la fin de la journée, pourquoi vous ne sortez pas un 10 dollars, mon cher, en tout cas, merci, mets le carburant. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on fait semblant de ne pas savoir qu'il faut mettre le carburant dans la voiture? Ah, de toute façon, c'est sa voiture, et puis il a un bon boulot, c'est mon ami qui t'a dit ça. C'est ton ami, c'est vrai, il a une, oui, c'est vrai, des bonnes opportunités, génial. Mais est-ce que ça change le fait que tu peux être assez responsable et te mettre à ta place pour sortir un petit 10 dollars disant, mon cher, mets le carburant. Pourquoi ne pas le faire et lui laisser la chance de dire, ah non, merci, t'en fais pas. C'est comme ça qu'on gagne le respect. On gagne le respect dans des très petites choses. La personne pourrait dire non, mais il se dit dans sa tête, ah, il a quand même proposé, ah, ce n'est pas un profiteur. Le simple fait de commencer à penser que tu es un profiteur te fait perdre la face. Ta couronne, l'honneur que tu mérites. Beaucoup de gens, malheureusement, quand ils perdent le respect, et quand c'est évident, alors là, ils deviennent agressifs. Ah, tu ne peux pas me manquer de respect. Mais c'est la faute de qui? On commence à faire attention dans des très petites choses, et on évolue avec, doucement, doucement, doucement. Que les difficultés que vous traversez dans la vie ne vous poussent pas à perdre votre couronne. Votre couronne est la chose, s'il y a une seule chose que vous puissiez garder, si vous aviez à perdre tout ce que vous avez en termes d'argent, en termes de moyens, c'est votre couronne d'honneur, votre couronne de respect. Le respect est très capital dans nos sociétés. Le respect est sacré. On peut avoir un grand frère qui n'a pas de l'argent, un oncle qui n'est pas assez stable financièrement, mais quand il sait comment se tenir, on sait comment le respecter. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous savez que l'oncle n'a rien. Ah, il n'a rien, mais ce n'est pas un quémandeur. Comme ce n'est pas un quémandeur, c'est difficile de lui manquer de respect. Mais s'il y a l'oncle là qui est quémandeur, qu'est-ce qui se passe? L'onclerie commence à mourir, n'est-ce pas? Le respect initial n'est plus là, parce que c'est un quémandeur. On choisit méticuleusement à qui il faut demander, en cas de difficulté. Ce n'est pas vers tout le monde qu'on se tourne. Oh mon cher, j'ai des difficultés, je dois payer la maison, aide-moi. Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit ça. Il y a des gens bien spécifiques. Vous connaissez ces personnes à qui vous pouvez. Et quand vous demandez de l'argent, on vous donne de l'argent pour aller payer la maison ou pour payer quoi que ce soit. Si vous aviez promis de rembourser, il faut le faire pour vous faire respecter. Ça dépend évidemment de votre relation. Il y a des gens avec qui, voilà, ça peut passer. Parce que vous êtes tellement proches, voilà. Mais si c'est une personne qui a fait preuve de bonne foi, ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser. Il faut savoir maintenir le respect. Le respect est sacré. Le respect, c'est tout. Vous pouvez tout perdre. La face, l'argent, les positions sociales, les conditions de vie. Mais le respect va vous relever si vous en avez. Quand vous allez vous asseoir dans le salon et que les enfants commencent à changer de chaîne, vous avez perdu le respect. Quand vous allez dans le salon, les enfants regardent la télévision, vous voulez mettre l'information, tout le monde se fâche. Il n'y a pas de respect. C'est dans les très petites choses. Quand vous sortez avec des copains ou des copines de longue date, mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, faites très attention. Comment vous consommez, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Faites très attention parce que les gens observent. On peut faire semblant, tout ça, mais on est en train d'observer ce qui se passe. Qui a acheté quoi? Vous le savez. Moi, j'ai acheté du champagne. L'autre a acheté ça.
Elle est là, achetée. Là, elle n'a rien foutu. Les gens parlent. Tu peux avoir la bonne foi, être quelqu'un de bien, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tous ceux qui sont autour de toi réfléchissent comme toi. Il faut comprendre les humains. Les humains sont généralement manipulateurs à leur propre égard. Ils veulent leurs propres avantages et cherchent à tout prix, coûte que coûte, vaille que vaille, comment se positionner au-dessus de tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir se faire respecter. Quand vous allez dans un milieu, vous avez un peu d'argent, il faut donner aux gens. Oui, vous gagnez en respect. Les domestiques, les sentinelles, les gens du quartier, ah mon cher, ah, monsieur, prenez. Il faut savoir faire, créer de l'influence autour de soi. Ce n'est pas gaspiller de l'argent inutilement, c'est stratégique. Il faut savoir se faire respecter.